Allez, derrière ça bosse pendant que devant ça roule, Boudou. Et ça y est, les bouchons. D'accord, on a roulé même pas 5 minutes. Regardez ce que ma petite femme chérie elle m'a fait. Les gamins, ça les fait. Les bâtards à la bourgonnaise. Les bâtards à la bourgonnaise. Inscription pour la nomaderie le premier week-end de juillet. Oh, il est 18h. Il n'y a pas d'heure pour manger. Non. Du sport, regardez-moi ça, cette athlète. Pour s'inscrire à partir du 14 mai. Il n'y a rien pour s'arrêter sur la route. Il y a des parkings en bord de route, des machins. Pour dire que j'ai une petite fuite sur l'assistance de direction. Même marqué sur les canettes des enfants, c'est marqué on dira. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, génial. À faire un démarrage de vidéo, il y a du vent. C'est pas grave. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça va être une vidéo vadrouille. Ouais, ça y est, on repart en vadrouille. C'est reparti. Tchaï là. Oh, il y a un vent. Ouais, en fait, ouais, je voulais le faire à l'intérieur, le roche, et en fait, on aurait dû. Ouais. Donc, ouais, il y a du vent à mort. Là, il caille à mort. Là, on peut plus. Là, il pleut. Là, on se casse, terminé. Dans le sud. On arrête le travail, il n'y a rien du tout. Non, on part quelques jours voir les parents à Vinciane, même la famille, parce qu'on fait une petite réunion de famille dans le Gard. Voilà. C'est ça. Donc du coup, on reprend la route et puis on va en profiter pour passer voir les copains du côté de Montélimar. Voilà, Mickaël et Jess. Ouais. Joe Barraud. Apparemment, le temps est meilleur en plus. Ouais. Ça tombe bien parce que là, franchement... J'ai eu Mickaël hier au téléphone, il m'a dit « Oh non, nous on a une demi-heure, tiens, on vient d'avoir une demi-heure de pluie. » Ah, ça tombe bien, tiens, on est dans notre demi-heure de soleil. Le soleil, il se présente à peu près à 19h30, 20h. Voilà. Il a une demi-heure dire « J'existe encore. » Et après, il se couche. Et après, il se barre. Et voilà. C'est ça tous les soirs quasiment. Comme il dit Jean-Marc, « Oh, il va faire beau cette nuit. » Ouais, c'est génial, c'est génial. Ouais, donc voilà. Ouais, on va attendre que. Bon, on va démarrer tranquillement. Ah, faut que je fasse les niveaux. Voilà, je vais faire les niveaux tranquillement. Faire les niveaux, démarrer tranquillement, après, dire au revoir aux copains. On fera un petit bisou aux copains. Voilà. Et puis c'est parti. Toi, tu vas rester derrière. Oui, ce matin, blanc. Je vais faire un brevet blanc de maths avec Arthur. Je vais bosser un peu pendant ce temps-là aussi. Ouais. Et puis, Capua va monter avec toi comme ça. Elle monte avec moi quand même? Bah ouais, parce que. Ok. J'ai peur qu'on besoin, se gêne après. Ouais, bah après. Voilà. Plus bosser dans sa chambre. Ouais, donc voilà, nickel. Ok, on fait ça, pas de soucis. There we go. De toute façon, on va pas aller loin parce que il y a de l'eau à faire. Jamais de l'eau et tout. J'aime voilà. Pas ça. T'aimes beaucoup? J'aime pas. On prend la route et en fait, déjà, faut faire 10 km. Pouf, on s'arrête pendant une demi-heure. Bah ouais, mais. Mais bon, on a pas le choix. Allez, on a plus de là, on est vide. Ouais, bon, allez, on va voir. Ouais, on va faire le niveau. Toujours avant de partir, un petit coup de niveau. Et regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Dans la vidéo où on va aux mines, on a la pédale d'embrayage qui était restée enfoncée là. Et en fait d'habitude elle reste plus ou moins à peu près à cette hauteur là. Et là elle était carrément restée enfoncée, donc c'est pour ça qu'il a fallu que je passe ma main. D'habitude j'arrive à remettre mon pied pour la ressortir. Et vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que regardez, le niveau d'assistance d'embrayage, il est bas. Il est même carrément mis au milieu, en dessous. Ouais, donc c'est vrai que depuis qu'on est rentré, j'avais pas fait mes niveaux. Donc voilà, même avant d'aller aux mines, j'aurais pu faire les niveaux. C'est vrai, c'était pas sérieux de ma part. Bon, t'inquiète pas, il y en a qui vont me le dire. Voilà, donc nickel, l'eau c'est bon. On tirera le. Hop là, l'huile. L'huile c'est bon. Hop, l'huile. Voilà, l'huile c'est bon. Entre l'eau et là, voilà. Vous avez vu tout ça à une main. Ouais, d'accord. Allez, super, je viens de me faire une tâche. Oh, je vais me faire tuer sur le t-shirt Loïc. Je suis mort. Bah non, j'arrive pas à le remettre. Je suis fort de rien du tout. Et voilà, ça y est, c'est par terre. Voilà la catastrophe. J'en ai foutu partout. Oh, le délire. Oh, bref, tout ça pour dire que j'ai une petite fuite sur l'assistance de direction. Donc voilà, chose qu'il faut regarder régulièrement. Je sais pas si c'est l'émetteur ou le récepteur, on m'a dit. Voilà, j'en mettrai rarement. Voilà, nickel, tout bien. Un peu.
Hop là, je vais le monter au maxi parce que 1000 ampères un peu. Ouais, c'est pas facile en mettre bien dedans. Il boit pas beaucoup, il y a un espèce de tamis là. Puis il n'y a pas de bec verseur là-dessus. Et voilà, oh maxi, c'est bon. Ça, l'huile était bon, l'eau était bon. Voilà, non, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Faudra démarrer GG, faire chauffer. Fais comme. Je vous présente les anges gardiens du terrain pour quelques jours parce qu'ils vont vadrouiller aussi là. Hein, c'est ça, ouais, vous allez bouger un peu. En fait, on va revenir, vous ne serez pas plus là. Non, on sera peut-être revenu. Ah oui. Parce que vous revenez le 17. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. De toute façon, on sera là pour la fin du mois. Oui. De toute façon, l'ange gardien, c'est mon papa de toute façon. Voilà. Il habite pas loin. Voilà, il vient jeter un coup d'œil de temps en temps. Le chef des gardiens. Voilà. Donc voilà. Bon bah dis bah bon aménagement, bon courage. Les papiers aussi. Hein, les plans avancent. Les plans s'avancent. Bon, ouais, ça va. Sur la moitié. Hein. Ouais. Ça va, n'oubliez pas d'aller voir leur chaîne aussi. Hein. Voir comment ça avance. Ouais. Voilà. Ouais. Impec tout bien. Allez, Zoubida, c'est parti toi. Tu fais l'école toi. Tu montes avec moi. Ouais. Allez, Zou, c'est parti. Direction le sud. Par là. Le sud, la chaleur. Oui. On est enfin arrivé, oh là là, entre Chartres et Orléans, ouais, quasiment. Il n'y a rien pour s'arrêter sur la route. Il y a des parkings en bord de route, des machins. Il y a des routiers, ça, voilà, ça, y a ce qu'il faut. Mais bon, on va pas s'arrêter dans un routier alors qu'on mange dans le camion. Quoi. La galère. Du coup, on s'est arrêté à côté, là, à Lonne, là, je sais pas quoi. Je suis sorti, j'ai vu salle polyvalente et tout ça. Pff, j'ai rien trouvé. C'était interdit aux 3 tonnes. Aux 3 tonnes 5. Et du coup, j'ai vu ce petit recoin là. Hop là. J'ai dit, tiens, on va se mettre là. C'est un chemin pour se garer pour, je pense, les tracteurs ou quoi. J'ai dit, vas-y, on va se caler là juste pour maquer. Ouais. Donc voilà, nickel. Oh, ça fait du bien de reprendre la route. Il n'y a toujours pas de soleil. On se dit, on se casse pour voir du soleil. Il n'y a pas du soleil. Oh là 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 là. Ouais. Attends, je vais vous montrer aussi. Parce que ils ont froid. Regardez. Oh, déjà allumé. Regardez, ils ont déjà allumé le poil. Hein, ils ont déjà allumé le poil. Ça caillote, hein, ça caillote. Ouais, on finit les 17. Ah ouais, quand même, faut allumer le Vebosto quand c'est comme ça. Non ? Ouais, mais comme il déconne. Ouais, oh, mais non, il fume au démarrage, mais après, il fume plus. Hein. Après, ouais. C'est chaud, c'est horrible. Oui, bah en roulant, tu sens rien. Ça. Ouais, on finit les pizzas de ton anniversaire, hein? Bah oui! Bah ouais! Ouais, donc voilà, impec. Voilà, ça se réchauffe tranquillement sur le poêle. C'est parfait! We'll be right back.
camping-car de Sully-sur-Loire. Ah oui, d'accord. Ouh, je m'attendais pas à ça. Du coup, les copains ont normalement... Ah bah tiens, regarde, il est là, le fifi. Voilà, ils sont là. Ouais, c'est bien, un petit comité d'accueil, nickel. Ouais. Il est au fond, là-bas ? Je sais pas, ouais. Ouais, c'est ce que je disais, ils ont fait les petits vieux, nous ont mis des plots à côté de leur emplacement. Bah dis donc, hein, tu n'as des copains, toi. Oh, il est... En plus, t'as attendu. Hein. Ah, bon, y oui, y a déjà des... j'ai déjà vu des gens, là, sur la route. Ils t'ont vu sur YouTube. On est repéré. Ouais, j'ai déjà croisé deux personnes. Ouais, ouais, vas-y. Des plots. En plus, t'as mis les plots. Oh là là. Ouais, ouais, ça marche. Ça y est, on est arrivé, installé. Et puis bah là, on va aller dans le centre à pied pour faire 2-3 courses. Parce que clairement, on n'a plus de fruits et légumes. C'est un peu vide de ce côté-là. Ouais, bon, ça c'est pas dramatique. Oui, bah oui, ça. Mais non, on va faire quelques emplettes. Comme ça, on va découvrir. Parce que Sully-sur-Loire, ça a l'air d'être vraiment très très mignon. Donc bon, j'espère juste que on va pas se faire saucer. Non, c'est fini, on est parti de Normandie. Ouais, ouais, non, mais là-bas c'est pas bon. On verra, on se mettra à l'abri des arbres. Hein. Ouais. Tant pis. Voilà, dans un bistrot. Bah goût. Ouais, dans les bois, ouais. Fifi, Céline nous a amené dans une boutique, regardez. Une épicerie, pour la viande. Regardez, hop, les petits produits qu'on avait l'habitude d'avoir au Maroc, le fameux Hawaï. T'es contente, toi? Et le Poms, trop bien. Ouais. Oh là là là, tous les bons produits. Ouais, ouais, le 3/4, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai même vu. Ouais, il y avait même du sujuk. Ouais, ouais, regarde. Ah, oui. Il y a Et de l'Iran. Ouais. Donc voilà, donc à Sully-sur-Loire, et ben il y a moyen d'avoir des bons petits produits du Maroc là. Ouais, oh, là c'est même marqué sur les canettes des enfants, c'est marqué en Iran. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Oh, génial. Trop fort. Ouais, ça vient droit de là-bas. Ouais. Ouais, le top. Oh là, t'en as pris du thon? Non, t'en as pas pris. Bon, c'est pas grave. Je t'ai pensé. Ouais. Enfin, j'ai vu, mais. Nickel. Vous êtes content? Un petit goût du Maroc. Ouais. Alors, c'est bon? Il est pareil qu'au Maroc. Il est pareil qu'au Maroc? Bah, c'est normal, ça vient de là-bas. Toi sais. Aussi, c'est écrit en dirham sur la tienne, non? Ouais. Non aussi? Ah ouais. 4 euros, dirham 50. Ouais. Ouais. Et toi, tu le gardes pour ce soir? Ouais. Petit gamine. Ouais. Allez, maintenant, après la viande et puis maintenant, les légumes. Les légumes. Allez, ça y est, c'est bon, nous voilà rentrés de notre petite balade à Sully. Regardez, Vincent a déjà attaqué direct. Regardez. Wouhou! Ça, et puis normalement de resserrer des petites grillades aussi avec Fifi ce soir. Donc voilà, nickel. Regardez sur quoi ça cuit. Au poil! Yeah, la classe! Hey. Petit café du matin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Bon, on aura passé une bonne petite soirée avec notre petit Fifi, notre petite Céline. Hein, nickel, t'es garé là. Il y a du monde, hein? Ouais, vous avez vu, il y a pas mal de monde. Ouais, petit barbecue hier. Tranquille. Basique, quoi. Ouais. Et puis, petite soirée sympa dans le camion. Au chaud. Oh, ça veut pas se réchauffer. 8 degrés ce matin. Il me tarde d'arriver à Montélimar. Mika m'a dit qu'il faisait pas aussi mauvais que ça et qu'il faisait pas froid. Ouais, moi, on va aller voir ça, ouais. Ouais. Direction Montélimar, le Gard plutôt. Montélimar, ce sera après le Gard. Voilà, après les beaux-parents. Ouais, donc voilà, ça marche tranquillement. On a bien dormi en tout cas. Pff,
comme d'hab, de toute façon. C'était tranquille, peinard, voilà. Puis voilà, je bois mon petit café. Et Nestor, voilà. Il se dégourdit un petit peu les pattes. On va aller du côté de Roanne, faire une étape. Et après, on ira faire un petit coucou à Sébéjane. Ouais, donc voilà, du côté de Montélimar, hein. Avant Montélimar. Hop, on leur fait un petit coucou, une petite soirée tranquille. Et après, direction les beaux-parents. Voilà, nickel, tout bien. Avec, bonne journée. Bonne soirée, du coup. Allez, allez, on y va. C'est parti. On a visé, t'as vu les copains? Ouais. Bah ouais. Bon, j'avais vite fait l'assurance quand même. Parce que ouais. Depuis le mois de février. On l'avait avec nous, mais on avait oublié de mettre la vignette. Mai, quasiment. Ouais, mai. Ouais. Dans un mois. Ouais. Bah en remontant on va voir ouais. Ouais mais ce sera pas les vacances et ce sera pas sur un week-end. C'est pour passer la nuit à soirée. Ouais. On va voir ça. Ouais. Allez. Bon allez, here we go. C'est quoi l'étape ce soir normalement? À côté de Rouen, il le sait. Ah oui, à côté de Rouen, pardon. Excusez-moi. Et il est tout terrain, il est pas tout terrain. Oui, hein. Ouais, on n'est pas arrivé. Allez, derrière ça bosse, pendant que devant ça roule, et nous, ça bosse. Toujours, bah Arthur, il prépare un petit peu son planning de révision, tout ça, tous les thèmes qu'il a à faire. Hein, il est content, regarde, il est épanoui, il est heureux. Ouais, j'ai pas beaucoup de choses. Dans le bonheur. Non, on a fait le brevet, un petit brevet de plan de maths hier, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a du mal à se repérer dans les thèmes qu'il faut qu'il révise, ce qu'il faut vraiment qu'il voit, ce qu'il faut qu'il apprenne. Donc là, du coup, il est en train de noter tous les items de toutes les matières. Tout ce qu'il doit voir, réviser tout ça, et comme ça on va pouvoir cocher au fur et à mesure. Parce que sinon en fait, sur les tablettes c'est un petit peu compliqué, on s'y paume, on n'a pas de quoi rayer tout ça. Donc là je lui dis ce matin tu fais ça, ça pourrait paraître une perte de temps, mais l'organisation c'est aussi important que le fait d'apprendre. Donc voilà, il est content, il fait ça ce matin. Donc de mon côté, toujours sur le bouquin, ça va être serré, hein, mais bon, ça devrait le faire. Et je suis super contente, très bonne nouvelle ce matin, ça y est, j'ai reçu le mail de confirmation de la création de l'association La Nomadrie. Donc ça y est, c'est tout bon, elle est immatriculée. Et je vais pouvoir avoir le récépissé avec tout ce qu'il faut pour ouvrir le compte en banque et pour pouvoir recevoir vos inscriptions pour La Nomadrie le premier week-end de juillet. En parlant de ça, justement, bon, ça tombe bien parce que là, du coup, ça se goupille très très bien. Les inscriptions... donc je mettrai un message sur Instagram, je mettrai une publication dans un post sur YouTube avec une adresse mail pour s'inscrire à partir du 14 mai vers 14h. Donc je mettrai ça et vous pourrez vous inscrire à La Nomadrie. Il faudra envoyer un mail et vous aurez toute la marche à suivre. On passe pas par de site ni rien parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire et puis qu'on trouve ça plus sympa de vous accueillir un par un. Comme ça on vous envoie les mails, il y aura un petit questionnaire à remplir et du coup hop, on vous répondra. Le paiement sera fait en ligne sur le compte de l'asso et comme ça ce sera tout bon. Voilà, donc nickel, ça a été super rapide parce que j'ai envoyé tout le dossier samedi et là j'ai reçu la confirmation des mercredis. Donc franchement le top, je m'attendais à 15 jours, je dis ouais, ça va être serré pour le compte, pour ouvrir tout ça. Et non, nickel, parce qu'on aurait pu faire virement sur nos comptes. Bon, alors après j'ai acheté un cahier de compte, tout ça, mais je me suis dit ouais, ce serait quand même cool que ça arrive directement sur le compte de l'asso. Donc là le top. Je reste sur le bouquin quand même, j'ai eu la bonne nouvelle, je reste sur le bouquin et cet après-midi, donc du coup je m'occupe de la création du compte en banque de l'association pour pouvoir gérer tout ça plus facilement. Voilà. Allez, continuez de bosser. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai aussi reçu la confirmation pour les poêlés du soir, donc pour le repas. Donc, ça y est, j'avais envoyé le papier de réservation avec un acompte, donc le top. Franchement, là, les deux mails, c'est nickel, ça se goupille super bien. Donc, le samedi soir, mais tout ça, vous l'aurez en détail dans l'inscription, le samedi soir, ce sera tagine. Voilà, trop cool. Franchement, je suis super contente quand ça se goupille comme ça, c'est génial. Bon, voilà, petite pause du midi. Impec tout bien. Ouais.
Regardez ce que ma petite femme chiaya m'a fait. Ah là là. J'ai réchauffé, hein, parce que... Ouais, on a réchauffé, ouais. Oh, ouais. Ouais. Ça te fait rire, toi, ça y est, maintenant, ça te fait rire, ce truc-là. Oui. Regardez ce que ma petite femme chiaya m'a fait. Les gamins, ça les fait. Les bâtards à la bouconnaise. Les bâtards à la bouconnaise. Regardez ce que ma petite femme chiaya m'a fait. Elle est morte de rire, la caméra. Ne pas faire de commentaires. Ouais. Et regardez ce que son mari chéri a trouvé comme spot, ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, impeccable, tout bien, nickel chrome. Oh. Ouais, ça penchait un peu, du coup hop, je suis monté sur le talus. Voilà, comme ça on est droit. Ouais, sinon ça dépasse au cul. Ouais, donc voilà, nickel, ça va le faire. Allez, bon appétit, hein. Bon, puis toi t'as bien travaillé alors, j'ai vu ça. Oui. Ouais. Oui, ça, voilà, ça avance, tranquille. Bah, bon, après le livre, oui, ça avance, mais j'ai un peu la pression en me disant là... L'échéance arrive. Ouais, bah si je veux être large dans la correction et tout ça, oui, il faut quand même... Ouais. Bah c'est bien. Après, j'essaie de pas me mettre trop la pression non plus, ouais. Mais bon, ça va comme le faire. Comme ça, oui, ça va le faire. Moi, je suis mosqué, il n'y a pas de problème. Non, ça avance quand même. Bon, ben, impec. Allez, Zou. C'est parti, à table. Bon, ma petite pause repas. Et ça y est, les bouchons. D'accord, on a roulé même pas 5 minutes. C'est les bouchons, ça bouchonne. On peut avancer quand même. Tu veux avancer où? Bah là. Attends, regarde, déjà le camion derrière, déjà il a éteint. Moi j'ai éteint le contact, puis ça bouge pas depuis un moment. À mon avis, il y a un feu. Ouais. Oui, avancer quoi, on aura avancé d'un mètre, enfin de 10 mètres, ça sert à rien. Ouais, je sais pas ce qui se passe, on est sur la National 7, là ils annoncent les bouchons, mais voilà, des travaux peut-être, j'y sais pas. Là je sais que ça vient de se finir en étant en 4 voies, là ça repasse en 2 voies. Mais voilà quoi, ouais. T'as de quoi t'occuper toi, ça va? Nickel. MPEC, bien. Et puis lui il dort. Et puis bah derrière ça bosse. Ça bosse derrière? Ça répond pas. Oui, du coup, hein, Arthur, il peut écrire là et ça bouge pas. Ah bah oui, il peut écrire, ouais, ça bouge pas. Ah, ça y est, ça repart là. Ouais. Allez, c'est reparti. Zoubida. C'est ce qu'on disait avec Capu, là, ça bouge pas mal là. Hein. Là, regardez quand il y a un camion qui passe. Regardez, j'essaye de pas trop bouger. Voilà, le Smith vent là, ça fait bouger avec les appels d'air là. Ouais, donc c'est ça, petite circulation alternée là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, petite circulation alternée. Donc c'est bientôt terminé là. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on y croit. On sera où ce soir hein? Bah, même moi je sais pas. Ouais. N'importe quoi, t'as... ouais, non, ça va rouler. Ouais, c'est ça. Un coup, il y a des voitures, un coup, il n'y a pas de voitures. Donc, c'est ça. C'est la petite chantier. Et ouais, et faut que les travaux, ça se fait. Là, à côté, c'est pas aménagé, là, tout ça. Là. À mon avis, ici, c'est la prolongation de la 4 voies. Ouais, on est juste avant le moulin. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, ici, ça va finir. Ouais, ça sera une 4 voies ici, là. À mon avis. Et ouais, ce sera fini, les bouchons. Terminé. Regardez, ça rebouge encore. Regardez. Et le Smith devant, ça bouge. Ah, ça y est, ça bouge même plus que ça. Ça bouge, ça roule. Non, mais c'est, elle veut prendre un goûter. Le goûter, c'est quand on est arrivé. Oh, il est 18h. Il n'y a pas d'heure pour manger. Non, tu vas rien manger ce soir. Un petit truc, s'il te plaît. Non. Mais non. Moi, je veux bien manger ce soir. Dites-lui, là. On mange pas à n'importe quelle heure. Je dis ça, je viens de manger un bout de fromage. Franchement, je voulais plus faire la BGR, mais. Ah là là, ouais. Tout ça pour dire que ça y est, on est arrivé à Rezaison. Renaison. Voilà, c'est écrit ici. Ouais, et c'est une aire qu'on avait déjà fait, qu'on s'était garé. On était garé. Non, on ne pouvait pas voir parce qu'il y a une porte. On était garé pile poil ici. Et j'avais oublié mes cales. Et, ouais. Et ils y sont toujours pas. On me les a pas mis de côté. Hein. Oh là, non, des belles cales en bois avec des petites poignées et tout. Oh là, il y a le premier qui a vu ça, il a fait hop là. Ouais. Donc nickel, la petite aire vachement bien là. Voilà, avec la petite rivière. C'est trop bien. Oh, bah y a plus personne. Bon,
Et plus personne. Alors on peut vidanger là-bas, nickel. Voilà, donc j'ai calé un peu parce que ça descend comme ça. Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc j'ai calé comme ça. Voilà, j'ai eu le temps de faire mon petit montage et tout. Et là, Fufu, il fait du sport. Regardez-moi ça, cet athlète. Oh là 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 là. Eh, c'est pas un cadre idyllique pour faire du sport, hein? Donc voilà, nickel. Et demain, direction chez Seb et Jeanne. Demain, on a une grosse journée de route encore. J'ai arrêté là. On s'est tapé les bouchons de tout à l'heure. J'ai dit, mince, on a perdu du temps. Et puis, c'est du monde. Et j'ai dit, ouais, c'est bon, j'en avais marre. Là, j'ai dit, la route, les bouchons et tout. J'ai dit, allez, c'est bon, stop. Du coup, on arrête là. Bon, bah, il faudra faire le reste de la route demain. Mais il n'y a pas de raison. Ça va le faire. Voilà, impeccable, tout bien. Allez, bonne soirée à vous. Hein. Enfin, bonne soirée. Ah oui, bah non, parce que là, bonne vidéo. Voilà, on va dire ça. Parce que du coup, nous, oui, ça va être bonne soirée. Tranquille. On va peut-être se faire une petite soirée. Ah, ma petite pomme chérie. On va se faire. On va se faire une petite soirée film, là. Hein, on va bien se trouver une petite série à regarder ou un truc comme ça. Hein, ma petite fille chérie. Bon, allez, impec, tout bien. Vous avez vu, hein. Nickel, hein, la nomaderie. Hein, hein. Ils le savent, ça. Oui, ils le savent pour la nomaderie. Bon, moi, je suis content. Ça y est, ouais. Tu sors de ta caverne. Ouais, j'en peux plus. T'as fait quoi? T'as fait 3 jours de route derrière. Ouais, 3 jours de route derrière pour avancer sur le bouquin. On se croise. Voilà, on se croise. Ça commence à sentir bon quand même. C'est vrai, ça te sent. Ouais, ça avance, tranquille, mais ça avance. À la fin de la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, faudrait même que début de semaine, j'ai. Ah ouais. J'ai fini. Ouais. Ouais, sachant qu'on est vendredi. Voilà. Tu vas bosser tout le week-end, quoi. Non, je vais voir, je vais voir. Ouais. Donc nickel. C'est bien qu'on profite un peu quand même de la famille. Bah ouais, c'est clair. Et puis bah nous on a été, vous l'avez pas vu parce que on n'a pas trop filmé. on a tracé et en fait on n'a même pas pensé à filmer. On est arrivé hier, on s'est arrêté chez Seb et Jeanne à côté de Montélimar, donc leur faire un petit coucou. Et hop, on a parlé un petit peu, après on a mangé un bout, elle nous a fait un bon petit gratin de, hein, ça c'était délicieux. Ouais, merci encore. Merci encore. Cool. Ouais. Ça et puis bah, on est reparti ce matin, il était 8h30. Ouais. Ouais. Donc on a gazé, bien. Mais enfin on est arrivé parce qu'en fait ouais, Vinciane a un rendez-vous donc il a fallu arriver. Bah, il faut qu'on arrive ici chez ses parents pas trop tard. Ouais. Donc ma mère m'emmène. Ouais. Et il fait chaud. Ah ouais, ça y est, moi je revis. On a retrouvé le soleil là. J'ai remis les tongs là et tout là. Oh, c'est bon là, le soleil il commence à taper et tout. Ils annoncent 25 degrés aujourd'hui. Mais la dernière fois qu'on avait 25 degrés, on était au Maroc. C'est ça. Ouais, peut-être à Séville. Séville il faisait pas mauvais. Ça allait encore. Ouais, ouais, mais là franchement ça fait vraiment du bien. Ça... Ouais. On est même surpris hier, je suis sorti en pull faire les couches. Il fait trop chaud. Ouais, bah ouais, t'étais dans le camion. Ouais. Donc... Ouais, ah là là. Bon, donc voilà, ça y est, on a refait le plein, on a fait un petit peu le plein en eau là. Mais Jeanne, là c'est bien, c'est qu'il y a, il y a de l'eau gratuite, donc nickel. Comme on va rester posé une petite semaine là, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vidanger et tout. Comme on va rester une petite semaine, ouais, c'est ça, une petite semaine, une bonne semaine même, non? Ouais, une semaine. Ouais, une semaine. Donc voilà, comme ça on fait le plein et puis comme ça on bougera pas. Voilà, nickel. Oh, il y a plein de trucs à faire ici, des balades et tout. C'est, ah ouais, ça va faire c'est du trop bien. Bien. Ouais, ça va faire du bien de se poser un peu. Pour ça, je préférais bosser donc sur la route. Et moi, je vais reprendre les siestes l'après-midi. Je suis cassé, je suis vanné là, la route là. Allez. Je me soupçonne même, j'étais tellement la tête dans le pâté que je me soupçonne même d'avoir pris une prune sur la route. Ah ouais, ça tu me l'as pas dit. Bah en fait, je suis tellement à la conduite à dire derrière ça bouge pas trop, il faut y aller souple et tout ça. Non, bah ouais, bah alors ah bah j'ai écrasé tout. J'ai vu le orange arriver, j'étais je passais en fait. Il était vraiment à la dernière minute, tu sais, si j'avais 3 ou 4 mètres pour vraiment tout freiner, je roulais tranquille hein, j'étais même pas à 50. Et puis, j'y dirais, c'est mort, je vais m'arrêter en plein milieu du carrefour. Et en fait, il y avait un détecteur. Il y avait un machin radar. Donc, j'ai regardé dans le rétroviseur, il n'a pas flashé. Avec toute la route qu'on fait, après, voilà, c'est ça aussi. Mais bon, ouais, mais j'étais tellement sur le fait, je pile et tout. Pouf, le camion, je passais le feu. Je compte le PC. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Donc, puis je me serais même pas arrêté au feu, je sais pas comment ça marche quand c'est comme ça. Donc voilà, je suis passé à l'orange bien mûr, donc peut-être que l'arrière du camion il est passé au rouge.
Et je sais pas, j'ai pas vu que ça flashait, donc on verra bien, Inch'Allah. Voilà, c'est comme ça. Et ouais. Allez, on y go ? Ah oui, allez, c'est bon, on est parti. Thank you.